Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'oracle aromatique. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. Je vais vous présenter, comme je disais, l'oracle aromatique. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Vous voyez, il y a encore le scrooge blister. Donc je ne le connais pas du tout. Hein. Donc je vais déjà vous lire le petit synopsis qu'il y a derrière. Donc plonger au cœur de la beauté à travers cet oracle des plantes à parfum et de leurs archétypes. Ce monde floral riche et beau vous invite dès aujourd'hui à découvrir sa magie. Chaque carte du jeu, empreinte de sa propre énergie, vous délivrera son message. Les plantes à parfum seront vos guides et vos guérisseuses. Laissez-vous transporter dans ce voyage unique de l'olfactothérapie. Voilà. Donc c'est un jeu de 36 cartes avec livret couleur qui est vendu au prix de 22 €. Donc là je l'ouvre. Hein. Voilà. Vous avez le scritch du blister. Donc voilà. Je vous montre la boîte sous toutes les coutures. Donc j'ouvre la boîte. Donc là, à l'intérieur du coffret, c'est comme ça. C'est beau. Donc là, pareil, toujours, on ouvre. Donc on a le petit ruban vert et l'intérieur de la boîte est comme ceci. Le livret, voilà, mon chéri va enlever le blister des cartes. Donc le livret est comme ça, donc de chez Arcana Sacra, Alliance Magique. Voilà, on va ouvrir donc là. C'est comme ça. Et après, alors, tac, tac. Donc là, il y a un petit mot sur l'autrice. La présentation. Donc là, vous avez un truc de petit tirage, un modèle de tirage. Il faut que j'arrête avec mes trucs et mes machins. Et après, bon, je ne vais pas vous les montrer tout. Là, vous avez donc la carte, la description. Donc par exemple, pour la première, Angélique. Protection, donc mot-clé protection, ange gardien, discrétion, tel âge un ange céleste, Angélique veille sur ceux qui font appel à lui, discret, il est toujours disponible et peut devenir un guerrier de lumière lorsqu'il le faut, intelligent, il sait se montrer stratégique et mettre son efficacité au service de ses valeurs humanistes, l'Angélique a de multiples vertus médicinales, véritable panacée, c'est aussi un condiment et une plante à parfum. Utilisée depuis le Moyen-Âge, on lui prête également des vertus magiques, comme le pouvoir d'éloigner le mauvais œil ou de conjurer les envoûtements. Et après, il y a une petite prière. Toute personne a toujours son ange avec elle, puisque nos anges gardiens nous accompagnent partout. Or, une telle compagnie ne mérite-t-elle pas d'être honorée de tous et en tout lieu? Saint Vincent de Paul. Voilà, et vous avez à chaque fois, donc, pour chaque plante, les mots-clés, un petit texte et une espèce de, ouais, on va dire, une petite prière, quoi. Alors, c'est pas toujours des trucs catholiques, je vois Karen Armstrong, Charles Baudelaire, enfin, voilà, c'est Spinoza, bon, Père Joseph, alors c'est Antoine de Saint-Exupéry, enfin, c'est voilà. Une pensée philosophique plus qu'une prière, en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, je ne vais pas vous faire le détail, maintenant je vais vous présenter les cartes. Donc, la tranche est comme ça, hein, basique, et le dos est comme ça. Donc, maintenant je vous détaille les cartes. Donc, on a la texture est toute douce, un peu soft touch. Donc,
on a la carte avec donc le mot-clé en dessous. Donc l'angélique pour la protection. Je vais essayer de zoomer un peu. En fait, c'est... Voilà. Parce que j'ai toujours tendance à mettre les cartes de côté, en fait. Hein. Genre, j'essaie d'être parallèle à ma tête, mais ça va pas. Donc on a le bain-joint pour la reliance. Il va me corriger à chaque fois. Parce qu'il m'a dit l'autre coup. Ah mais tu mets les cartes comme ça. Voilà. C'est bon. Elle n'est pas droite. Bon. La bergamote pour la prospérité. Bon, je vais zoomer en fait la lunette de l'appareil photo. Le bois de rose pour la compassion. La camomille pour la sensibilité. Le camphre pour la puissance. La cannelle pour la vitalité. Le cèdre pour la sagesse. Ça fait assez personnage ancien en fait. Je sais pas comment expliquer, on dirait presque des vieilles photos qui ont été prises. Le ciste pour le soin. Le citron pour la joie. L'encens pour l'élévation. L'eucalyptus pour la purification. La fève tonka pour la générosité. Le frangipanier pour l'acceptation. Le géranium pour l'épanouissement. L'iris pour la renaissance. Le jasmin pour la sensualité. Le laurier pour la valorisation. Il faut quand même dire que je ne les mets pas à droite. Hein. La lavande pour la guérison. Il me fait les gros yeux en fait. Je ne vais pas y arriver à la tourner. Le lotus pour la spiritualité. Non mais en fait j'ai des problèmes quoi. Je suis un peu 10 machin. Ouais, t'es 10 pas droite. Ouais. La marjolaine, excusez-moi, pour le courage. Bon, écoute, tu sais quoi, tu les prends les cartes. Mais je sais pourquoi, c'est parce que t'es en décalé par rapport. La menthe pour la vigilance. Je fais ce que je peux. Bah, mais toi, tu montes pas le bas, alors c'est pas mieux. La myrrhe pour la magie. Comme ça, c'est lui qui va se faire disputer s'il met pas les cartes droites. La myrte verte pour l'émerveillement. Du coup, je respire plus pour savoir si je l'ai. Le néroli pour la sérénité. Elle n'est pas droite. L'osmanthus pour la richesse intérieure. En même temps, on vend des bijoux en lithothérapie, des tarots, des oracles. On n'est pas maçon. Le oud. Oud pour l'introspection. Je connais pas le oud. Ou le ou. Le patchouli pour la force intérieure. Pour marquer quand même le grand sérieux que nous faisons. Le romarin pour l'équilibre. Non, mais... on ne rigole jamais. Hein. Non, on est toujours sérieux en fait. Hein. Trop sérieux. La rose pour la créativité. Est même trop sérieux. Oh oui. Le santal pour l'intégration.
la sauge pour l'assurance. C'est vraiment des illustrations vintage. La vanille pour le réconfort. Le vétiver pour l'ancrage. La violette pour la bienveillance. Et l'ylang ylang pour le lâcher prise. Voilà, l'ylang ylang. Voilà, c'est bon. Donc voilà pour cet oracle aromatique. Donc, ouais, c'est sympa. Donc, je rappelle qu'il y a 36 cartes. Donc, le livret est tout en couleur. Et il coûte 22 €. En français uniquement. Il est en français uniquement. Ouais, j'avais oublié de préciser. De toute façon, vous le retrouverez sur notre site. Je vous mettrai le lien direct vers l'article de la boutique si vous êtes intéressé. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous le connaissiez, si vous l'appréciez ou pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir.